L'Alzheimer, c'est très, 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 très important. C'est pour ça que, de son vivant, si on pense qu'il y a une ouverture, il faut absolument la concrétiser avant de partir. Pourquoi, en 1906, on découvre l'Alzheimer ? Pourquoi pas en 1840 ou en 1786, ou n'importe. Il y a eu un élément, il y a eu un facteur qui a été déclenchant de cette maladie, qui, lorsqu'elle est décrite pour la première fois, elle est décrite chez un individu de 55 ans par le docteur Alzheimer, qui est un individu de 55 ans qui présente cette maladie. Est-ce qu'elle est transmise par ce malade ? Non. Comment a-t-elle pu apparaître et se fixer ? Et puis voilà que, en plus, au lieu que ce soit une espèce d'épidémie qui passe de l'un à l'autre, absolument pas. Ça passe d'un individu à un autre qui se trouve à 1000 km de là et que jamais ne verra l'autre, le premier. Donc il y a un facteur qui intervient sur une base ethnique large, sur des centaines et des milliers d'individus, tout de suite, d'un seul coup, sans que ce soit épidémique. Et en plus, c'est limité. C'est uniquement chez les pays, dans les pays industrialisés, et en particulier la France. Pourquoi la France ? Et pourquoi pas la Hollande, pour débuter, ou bien l'Espagne ou l'Italie ? Il y a donc un facteur, il faut savoir le définir. Alors vous allez me dire, ça va être la diététique, la ceci, cela, mais non. Ça arrive en masse, et alors ça longe, ça rampe au niveau de l'abscisse, mais très vite, l'abscisse, c'est-à-dire l'horizontale, mais très vite, la progression devient linéaire, et maintenant c'est exponentiel, c'est-à-dire c'est quasiment vertical. Mais en plus, tenez-vous bien, c'est qu'à partir de l'âge de 80 ans, on ne fait plus d'Alzheimer. Or, c'est une maladie de la sénescence. C'est une maladie de la sénescence, mais à partir de 80 ans, l'incidence disparaît. Vous voyez que c'est complexe. C'est une maladie de la sénescence, et quand vous devenez vieux, quand vous avez 55, 60, 70 ans, c'est parfait pour l'avoir. Mais à partir de 80 ans, vous ne la faites plus, cette maladie. Vous voyez la complexité de la chose. Qu'est-ce qui s'est passé qui a entraîné l'apparition de cette maladie ? L'apparition, on la trouve de préférence dans un groupe dit à risque, dans lequel il y a des hypothyroïdiens ou des gens qui ont une trisomie, c'est-à-dire une particularité du génome. Mais ça, il y en a un sur 10 000, quand c'est pas sur 100 000. Et ça n'est pas un groupe humain qui est pris d'un seul coup et en même temps. Et pourtant, ce facteur existe, il a bien fallu. Ça n'est pas un virus, on ne peut pas l'incriminer, on ne peut pas... Ça n'est pas épidémique, vous ne pouvez pas faire de vaccin là-dessus, ça ne marche pas, tout ce qui a été fait là-dessus a raté. Pourquoi ? Ça se particularise par quoi, cette maladie ? Vous avez plusieurs couches dans votre cerveau. Vous avez le cerveau qui sort de la moelle, si vous voulez, n'est-ce pas ? C'est le cerveau dit de la vie. S'il y a une altération quelconque, c'est invivable, inviable. Puis ensuite, vous avez une autre couche qu'on appelle le cerveau limbique. Petit à petit, depuis nos ancêtres, pithécanthropes et ainsi de suite, il y a eu d'abord le cerveau de la vie, puis le cerveau limbique, qui est un cerveau archaïque, si vous voulez, ancien. Et enfin, le cerveau qu'on pourrait dire moderne, c'est le néocortex, c'est-à-dire
la périphérie du cerveau, qui est le cerveau de l'intelligence. Le cerveau initial, ce cerveau de la vie, on n'en parle pas, s'il y a des altérations quelconques, ça devient invivable, n'est-ce pas? Donc, l'embryon n'est pas viable. Par contre, le cerveau limbique, lui, le cerveau limbique, c'est le cerveau archaïque sur lequel s'insèrent plusieurs fonctions. D'abord, la fonction, pourrait-on dire, comportementale, avec des affections, des comportementales, et aussi, tenez-vous bien, une fonction qui est une fonction qu'on pourrait appeler la religiosité, qui évolue bien sûr au fil des temps, surtout quand elle dure. Et puis ensuite, il y a le néocortex, c'est le cerveau de l'intelligence, de la science, et ainsi de suite. Si vous voulez être équilibré, il faut que ce cerveau ait une maturité normale. Or, ce cerveau, les cellules cérébrales de chacune des couches n'est pas acquise au moment de la naissance. C'est d'ailleurs un dogme, le dogme dont nous parlions tout à l'heure, de Ramon et Cajal, comme quoi les cellules ne se divisaient pas après la naissance, nous l'avons modifié. Et on a dit que ça se divisait, c'est la plasticité neuronale, et en effet, ça se divise tellement que ça va jusque 30, 35 et même 40 ans, l'organisation. Le cerveau archaïque dont nous parlons, c'est le cerveau limbique, c'est celui qui est concerné par la maladie à son tout début. Ça commence au niveau du cerveau limbique, l'Alzheimer. Ce n'est pas au niveau du néocortex, d'ailleurs, c'est au niveau du cerveau limbique. Ce cerveau limbique se fait à une organogenèse, une neurogenèse, si vous voulez, qui s'effectue pendant la jeunesse, pendant l'enfance. Ça va jusque l'âge de 10, 11, 12 ans. Puis il est mature à ce moment-là. D'autres couches viendront après et ça pourra se prolonger jusqu'à 35, 40 ans. Mais le cerveau limbique, c'est pendant cette période-là, c'est-à-dire pendant la période primaire, si l'on peut dire, de l'enfance. Ce cerveau se divise, les cellules ne se divisent pas et ne se prêtent pas à la réalité environnementale que si elles sont stimulées. Il faut qu'elles soient stimulées par des stimulations qui viennent de l'extérieur ou leur propre développement, n'est-ce pas ? Il faut, comme toute fonction, qu'on en avait parlé pour l'allergie par exemple, cette fonction-là doit être stimulée au moment de sa formation. Son organogenèse pendant l'enfance. Comme vous, on a dû vous apprendre plein de choses pendant votre enfance, ne serait-ce que de marcher, et ainsi de suite, on vous a stimulé, bon, pour d'autres fonctions. La fonction essentielle, c'est tout de même la fonction de religiosité. Mais la fonction de religiosité, ça ne veut pas dire que cette fonction a une maturité moderne. Au début, c'est du ritualisme. Si vous voulez, comme la fonction sexuelle, quand un pan fait la roue, n'est-ce pas, il ne sait pas pourquoi il fait la roue, il n'en a pas conscience. Il prépare sa copulation avec une ponne, avec une femelle. Pour la pinoche, c'est la même chose. Donc, ce sont des rites. Un rite prénuptial, ou un certain rite, ou un rite d'agressivité, ou ainsi de suite. Ensuite, ça se développe, évidemment, parce qu'il y a une participation des autres, du néocortex, c'est-à-dire de l'intelligence, et ainsi de suite. Mais au début, c'est du rituel.
Or, le hasard veut que, à l'occasion d'un penseur, Auguste Comte est un type qui était à moitié dingue. C'était un philosophe et un penseur, mais qui pensait un petit peu drôle, parce qu'on avait déjà dû l'enfermer plusieurs fois dans des centres de maladies mentales. Et puis lui-même, enfin, il avait un comportement un peu bizarre. À un certain moment, il a dit que il y avait deux stades dans l'évolution des individus. Il y avait le stade religieux, métaphysique, ou religieux, si vous voulez, qui avait une notion de, une fonction d'une réalité qui n'est pas ressentie par les autres fonctions, visuelles ou ainsi de suite. Et puis il y avait la fonction noble du néocortex, c'est-à-dire l'intelligence, la logique, voilà. Et il a dit que cette nouvelle fonction éliminait tout ce qui avait précédé. Autrement dit, dans la progression de l'humanité, il y a eu cette fonction rituelle et ainsi de suite, on dirait religieux, métaphysique, et à un certain moment, ça a été remplacé par l'autre qui est devenu obsolète, qui ne sert à rien, qui est une gêne, c'est l'intelligence, la science, si vous voulez, qui domine tout. Et il faut qu'elle récuse tout cela. Eh bien, ça a pris. C'est ce qu'on a appelé le positivisme. Il faut qu'on puisse l'expérimenter. Si ce n'est pas expérimentable, si on ne peut pas l'expérimenter, eh bien, c'est que ça n'a pas de valeur. Il faut être positif. Et ça a pris. Et le positivisme d'Auguste Comte a inondé tout ce qui est l'intelligentsia, c'est-à-dire le milieu scientifique, philosophique, et ainsi de suite. En particulier d'un dénommé Ferry. Et Ferry est devenu ministre de l'Éducation nationale et il a bazardé tout ce qui était religieux jusque-là, c'est-à-dire avant lui, l'instruction, l'éducation, en dehors de l'éducation familiale, mais l'instruction incluait dans son programme des notions religieuses, quelles qu'elles soient. Ça pouvait être islamique, ça pouvait être bouddhique, et ainsi de suite, si vous voulez, ou chrétienne, ou... Bon. Et, bon, c'était éduqué, suivant les pays, mais l'éducation en était faite. Et lui, il a dit, on va bazarder tout ça. Il y aura la science, et puis tous ces vieux ragots religieux d'une théorisation, on fiche ça à la poubelle. Et pour ce faire, il a flanqué dehors du pays 16 000... D'abord, il a commencé par dire qu'il fallait une école pour créer des institutrices, si vous voulez, n'est-ce pas, obligatoire, d'État. Ensuite, il a éliminé toute instruction religieuse, quelle qu'elle soit, n'est-ce pas, dans l'éducation de l'enfant. Au niveau primaire, c'est-à-dire au niveau secondaire, on pouvait y revenir. Mais au primaire, c'est-à-dire de 5 ans à 12 ans, si vous voulez, c'était éliminé dans l'éducation primaire, l'école primaire. Or, c'est la période où l'organogénèse limbique se fait. Donc, comme les parents, ils travaillent au champ, ou sont analphabètes, ou les femmes sont veuves, ou ainsi de suite, sont incapables de faire cette éducation, ils peuvent le faire, ne serait-ce que par l'exemple dans la famille. Mais enfin, ils ne sont pas là pour les éduquer, parce qu'ils, pas plus que les gens qui sont analphabètes peuvent apprendre à lire ou à écrire leurs enfants. Donc cette éducation se faisait avec ce ritualisme qui existait, qui est inclus dans le cerveau limbique,
et qui constitue donc un facteur dit dominant, génétiquement inclus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas récuser. On a beau faire ce qu'on veut, et c'est tellement bien protégé, on ne peut pas l'éliminer. Un dénommé Ferry discute ça, puis alors il bazarde tout ça d'enseignement, il fout 16 000 indicatrices hors du pays, il interdit ce qui était acquis dans l'instruction primaire, c'est-à-dire à l'école primaire, pas au secondaire, au primaire, qui est juste la période où se fait la maturité, si vous voulez, du système limbique, qui est le premier qui est pris par la maladie. Donc, il devient hypoplasique, puisqu'on ne l'a pas. C'est comme si, quand vous êtes né, on vous empêchait de marcher. Ben, il est certain que vous auriez une atrophie de vos muscles. Si vous prenez une souris qui vient de naître, vous lui mettez un bandeau sur les yeux, n'est-ce pas, vous pouvez lui enlever le bandeau quelques jours plus tard, elle sera malvoyante toute sa vie, parce qu'elle n'a pas été stimulée. Eh bien là, il n'y a pas de stimulation du tout. Donc, le noyau de limbique qui va être atteint, n'est-ce pas, est atrophié du fait qu'il n'a pas été divimé au moment, après la naissance, quand il fallait. Parce qu'après, c'est comme à l'armée, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Après, arrivé à 10-11 ans, n'est-ce pas, c'est fini, la maturation a eu lieu. Mais comme elle n'a pas été sollicitée, stimulée, elle est atrophique. Comme elle est atrophique, sa longévité, vous savez qu'au cours de l'âge, on perd 5%, le cerveau perd 5% tous les ans, n'est-ce pas, de cellules quand il a épuisé les cellules souches. Comme il en a peu, le cerveau limbique, dans ces conditions-là, eh bien, son atrophie sénile, il devient sénile, il l'a plus vite que d'autres. Au lieu que ça commence à mon âge, ou à 70 ans, ou 75 ans, ça commence à 50, 55 ans, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle l'appauvrissement sénile des parenchymes, c'est un mot compliqué, l'appauvrissement en cellules des parenchymes, c'est-à-dire des tissus, n'est-ce pas, l'appauvrissement commence plus vite puisqu'il a moins de cellules. Et comme il a moins de cellules, la sénescence du cerveau limbique est plus rapide et prématurée par rapport à la normale. Comme elle est plus prématurée, son expression clinique se fait au bout d'un certain temps. Depuis la naissance, il y a au moins, depuis l'enfance, une cinquantaine d'années qui se passent. Donc, arrivé à 50, 60, 65 ans, l'individu qui voit, dont le système limbique a perdu sa masse cellulaire, n'est-ce pas, par rapport à son voisin, qui lui a une autre éducation, il était protestant, il était musulman, il était bouddhiste ou n'importe quoi, n'est-ce pas, lui ne va pas faire d'Alzheimer. Tandis que lui, qui était frustré au moment de l'organogénèse de cette partie-là, ben, le système limbique, c'est lui qui est atteint. Voilà. Et la solution, il n'y en a pas 36. La solution, c'est qu'il faut éviter, quand les pays islamiques, bouddhistes ou n'importe quoi, où cette activité limbique, n'est-ce pas, son expression, qui peut être purement encore, vous savez, c'est comme la bonne femme qui dit, la bonne femme qui voit son curé dans l'église, et le curé lui dit, alors que vous croyez en Dieu? Elle dit, oh non, non, je ne crois pas en Dieu, moi, mais, oh non, je crois en Sainte Rita. Parce qu'elle veut retrouver ses clés.
Alors elle va retrouver Saint Rita, vous comprenez? Elle comprend Dieu pourtant. Vous voyez? Non mais vous voyez, je vous le dis schématiquement, parce que il faut aussi le simplifier à l'extrême. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et ça débute par le système limbique. Mais comme le système, comme toutes les fonctions neuronales sont corrélées, après le système limbique, ça s'étend à des noyaux qui se trouvent, qui concernent la mémoire et ainsi de suite. Et ça finit petit à petit par s'étendre jusqu'au néocortex. Le néocortex qui a non seulement la mémoire, mais la raison. Et le néocortex finit par être attaqué, et c'est la démence. Et à ce moment-là, ce n'est plus une perte, uniquement une perte de mémoire, ou ceci, ou comme il y a d'autres à la fonction de religiosité, il ne faut pas oublier que dans le système limbique aussi, il y a la fonction des contacts humains, qui existe aussi, et qui pâtit aussi. Alors ça débute aussi par des période de dépression, et ainsi de suite. D'un peu d'autisme, si vous voulez, qui est concerné par le système limbique. Puis quand ça arrive au cerveau, alors là, de la connaissance, du raisonnement, ben, il n'y a plus de connaissance, où elle disparaît, et à ce moment-là, on fait une démence. Par contre, si vous arrivez à gagner du temps, il a gagné quelques années. Si vous gagnez 2 ou 3 ans, et que vous arrivez près de 80 ans, vous ne ferez plus d'Alzheimer. Parce que c'est comme un cycliste qui fait roue libre. Ce qui lui reste, sans être reconstitué, ce qui lui reste est suffisant pour la longévité normale de l'individu qui est de 90 à 100 ans. Alors, on le sait parce que, expérimentalement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez, il y a un groupe de bonnes sœurs allemandes qui se sont installées aux États-Unis. Et ces bonnes sœurs ont la particularité, il y en a des centaines sinon des milliers, n'est-ce pas, d'être extrêmement vives intellectuellement, n'est-ce pas, et en même temps de vivre très vieille. Et les neurologues américains ont obtenu de ces bonnes sœurs qu'elles acceptent qu'on fasse une biopsie de leur cerveau à leur décès. Elles ont accepté. Et on se rend compte que chez ces bonnes sœurs, elles sont truffées partout où il y a des cellules qui ont disparu. Il y a une cicatrice, n'est-ce pas, qui comble le vide de l'endroit où les cellules ont disparu. Et quand cette cicatrice ne se fait pas chez l'enfant, mais chez l'adulte. Donc, elles sont bourrées, ces bonnes sœurs qui meurent très vieilles, elles sont bourrées de cicatrices comme ça. Partout. Et il n'y en a pas une qui fait d'Alzheimer. Mieux que ça. Expérimentalement, l'université d'Israël, de Tel Aviv, ou je ne sais plus, enfin, l'université, avec les universités canadiennes, anglaises, ont fait le même truc. Ils ont fait un test sur des dizaines de milliers de gens, pour voir, les gens qui sont restés très pieux dans leur comportement, qui ont eu, si vous voulez, une éducation très religieuse, et dont ils tirent, elle a pu changer cette éducation, ils ont pu abandonner leur religion. Mais de toute manière, à un certain moment, ils ont été très religieux et ils ont plus de chance, évidemment, d'avoir gardé leur religion que celui qui n'en a pas. Ça va de soi. Donc, ils sont vus et ils ont pris les gens comme ça et ils ont, parmi ceux qui sont les plus priants, on ne peut pas plus priant que les bonnes sœurs, mais là, ils l'ont pris sur une population tout à fait normale,
Ils n'ont pas cherché la bonne sœur ou ceci, cela, non. Simplement, les gens qui priaient beaucoup. Alors là, le taux d'Alzheimer s'effondre par rapport aux autres. Donc, ils font même des articles que j'ai, je peux vous le montrer là-haut, disant que la prière est... Ils considèrent que la prière devrait entrer dans la thérapeutique. Ce qui est faux. Le fait qu'ils prient encore beaucoup, et qu'ils vont à Lourdes, ou bien, je ne sais pas, et ainsi de suite, c'est pas ça qui... Ce qui a compté, c'est ce qu'on leur a donné au moment de leur enfance, entre 6, 7 ans et 12 ans. À l'école primaire, ce n'est pas le fait qu'admettons qu'ils ne croient ni à Dieu ni à diable. Ils se convertissent à un certain moment et deviennent au contraire extrêmement religieux. C'est pas ça qui les garantit. Parce qu'ils ont une hypoplasie, une atrophie qui est restée. Donc ils ont plus de difficultés que d'autres. Vous voyez ? Alors, l'article n'est pas vieux, mais je ne l'ai pas mis moi, dans les trucs, je n'ai pas voulu le mettre parce que, si vous voulez, la religion, il ne faut pas considérer que c'est parce qu'on est juif, qu'on est musulman, qu'on est chrétien, qu'on est... ainsi de suite. Autant du Cro-Magnon ou du Pithécanthrope ou du Néandertal, il n'y avait pas de chrétiens, si vous voulez. Mais ils avaient une activité religieuse qui se voit d'ailleurs dans les cavernes. N'est-ce pas ? On voit des mains, ceci, cela, enfin bref. Alors actuellement, on fait un additif aux éléments du congrès d'Avignon qui portera sur la cancérisation et pour l'Alzheimer, parce que c'est notre devoir de le faire. Parce que le reste, bon, passons, mais ceux-là, l'Alzheimer, si on met pour l'Alzheimer le temps qu'on a mis pour l'allergie, n'est-ce pas, l'asthme allergie, il va falloir quasiment un siècle. Mais où sera-t-on dans un siècle avec l'Alzheimer ? Alors que les gens prennent ce qu'ils veulent après. Ils prennent ou ils prennent pas, mais on a fait son devoir. Quand on a fait ce qu'on doit, quand on a fait ce qu'on peut. Donc, on fait ce qu'on peut maintenant. Puis ensuite, et c'est ce qu'on doit. On peut faire plus, on peut toujours faire mieux, mais on essaie de faire maximum. Puis après, les gens prennent sur eux. Alors, s'ils veulent courir le risque, parce que ils sont de gauche ou de droite, qu'ils sont du haut, du bas, parce que ceci, cela, ça les concerne. Ils choisiront ce qu'ils voudront. Mais au moins, on leur a donné. Et vous pouvez reprendre ce même système, pas pour la pathologie, mais par exemple pour la myopathie de Duchenne, c'est du même ordre. S'ils ne veulent pas faire le petit examen, n'est-ce pas, à la naissance pour savoir si le gosse qui est un garçon, parce que généralement c'est un garçon, va ou ne va pas faire une myopathie, ça les regarde, mais au moins ils savent que ça existe. Et justement, enfin, je rebondis puisqu'on est sur Alzheimer, autant pas changer de sujet, rester là-dessus. Là, on a parlé plus de la cause, oui, de l'Alzheimer, que je comprends puisque vous venez de l'expliquer. Après, on n'a pas du tout détaillé, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire. C'est de solution ou mais de début de solution. Ça va de soi. Mais on n'a pas à le dire aux gens. Dès lors que c'est comme un garagiste. À partir du moment où il a dit que c'est le moteur à 4 temps, il y en a un temps qui ne marche pas. Quand on connaît le mécanisme et la déficience, on la corrige ou pas. Si vous voulez, la sanction thérapeutique, préventive ou curative, va de soi. Ce qui est important, c'est qu'on comprenne le mécanisme. Puis après, on sait ce qu'il faut faire. Alors, il ne faut pas essayer de chercher à guérir les types de l'Alzheimer, c'est incurable. On aura beau faire des petits bazars diététiques, d'amener des flavones, des vitamines, ceci, cela, d'éviter d'avoir de l'athéromatose, c'est-à-dire de ce que ce sont des petites choses qui vont peut-être modifier petit à petit
modifier la symptomatologie, mais ça ne va pas guérir l'Alzheimer. Maintenant, allez dire maintenant au ministre de l'Éducation nationale, puisqu'il y a un ministre de l'Éducation, avant c'était un ministre de l'Instruction, maintenant c'est d'éducation, donc c'est son rôle d'éduquer qu'il faut, et ils essaient de le faire. Ils s'en rendent compte, ils le savent. Alors, ils essaient maintenant de dire, c'est tout nouveau, c'est tout récent. Ça remonte à quelques semaines, quelques jours, quelques semaines. Il faut maintenant amener dans l'éducation laïque. Mais quand ils disent laïque, ça ne veut pas dire neutre. Ça veut dire, dans le mot laïque, il y a, si vous voulez, une notion d'antagonisme avec la religion. Ça veut dire qu'on est neutre. Autrement dit, vous avez un type qui est en train de se noyer, vous pouvez rester neutre, ou bien vous pouvez plonger. Mais si vous plongez, vous vous mouillez, et éventuellement vous vous noyez. Mais si vous restez neutre, ben voilà. La laïcité est un mot qui, en France, implique une notion d'anticléricalisme. En tout cas, elle existe. À partir du moment où la laïcité consiste à empêcher une maturité normale d'une fonction quelconque, c'est qu'on a pris une option antagoniste. Vous comprenez ? À propos du tarissement de... C'est la somatohormone, c'est ça le nom ? De la somatohormone, oui. L'hormone de croissance. Voilà. Et le lien qu'il y a entre ce tarissement et Alzheimer, par exemple, puisque vous l'aviez fait, le rapprochement, et en même temps, vous dites qu'il est incurable, l'Alzheimer. Donc ça veut dire que le tarissement, à partir de quel âge, il peut avoir un effet bénéfique dans le cadre de l'Alzheimer ? Est-ce que ça... il y a un jeune âge, un... Non. Dès lors que vous avez dépassé, en biologie, c'est comme ça, dans l'organogenèse, c'est comme ce qui se passe dans l'armée. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Donc la solution est une solution de supprimer. Mais ça, je n'en parle pas, parce qu'elle va de soi. Il faut supprimer le refus d'une instruction religieuse qui est une instruction de laïcité. Les institutrices qui rentrent à l'école normale d'instituteur, chose qui a été voulue qui rentrent. Combien sortent-elles quand elles sortent? Combien sont encore croyantes, même si elles rentrent à 50% quand la statistique a été faite, même si c'était même plus que 50%. 98% sortent anticléricales. C'est une statistique qui n'est pas de maintenant, qui remonte peut-être à 10-15 ans, mais ça ne change rien. La laïcité n'est pas la neutralité, et la neutralité, de toute manière, même si c'était la neutralité, c'est comme si on est neutre devant une fonction qu'on empêche de réussir. Autrement dit, vous avez des parents, n'est-ce pas? Ils ne s'occupent pas de leurs gosses, qui doivent avoir une fonction musculaire normale, qui doivent avoir une fonction, ne pas rester un alphabète. Il faut qu'ils apprennent à lire et à écrire. Et il faut aussi qu'ils aient une fonction hygiénique. Eh bien non, on laisserait se dépatouiller comme ça. Vous voyez? Et puis dire, bah oui, mais on est neutre, puisqu'il fera ce qu'il voudra quand il aura 18 ans. Quand il aura 18 ans, vous lui apprendrez à marcher. S'il faut parler français ou n'importe quoi pour se faire comprendre, vous ne lui parlez jamais. Vous lui dites, quand il aura 18 ans, il choisira s'il veut choisir l'anglais ou le français pour parler. Ah, vous êtes neutre. Quand il sera adulte, eh bien, il fera ce qu'il voudra. Donc, on ne va pas lui parler, on va rester dans le mutisme total. Il est né, il était sourd, donc on ne va pas s'en occuper. Il est sourd, tant pis,
on va pas lui apprendre le truc, ainsi de suite. Et alors là, on est neutre.